Procès ICC Service à Porto Novo, c'est terminé. Le verdict tant attendu est tombé dès les premières heures de la matinée de ce jeudi 7 février. Que pensent les Béninois? La réaction de quelques-uns dans cette édition. Dépôt des dossiers pour l'examen du baccalauréat session 2019. L'office en charge de l'examen a clôturé cette première partie du processus. Les établissements ont-ils respecté le délai? La réponse, c'est à suivre au cours de ce journal. L'école primaire publique de Zunga fait-elle partie de la carte scolaire de la circonscription d'Abomey-Calavi? Difficile de le dire, Awisi Web TV a fait le constat. Vous aurez la réponse au cours de cette édition. Merci de nous rejoindre sur Awisi Web TV. Je vous le disais, dossier ICC Service, stop et fin. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a rendu son arrêt sur ce procès ICC Service tard dans la nuit du 6 au 7 février 2019. Les promoteurs sont condamnés et des acquittements sont prononcés. Suite à ce verdict de la Cour, certains Béninois apprécient. Ils étaient donc au micro de Enoch Vianou et de Apollinaire à Nagono. Par rapport à ce procès ICC Service, moi j'ai trouvé totalement une grande satisfaction et qui l'eût cru, parce que beaucoup disaient que ce procès n'aurait jamais lieu. Par rapport aux condamnations, bon, au fait, moi je trouve qu'on allait alourdir plus que ça. L'amende qui était de 125 000 est venue à 125 millions, est revenue à 12 millions. Bon, c'est la Cour. J'approuve ça parce que humainement, la Cour a tranché et on ne peut que plier à la décision de la Cour. Maintenant, face aux autres gros bonnets, j'allais dire, complices ou co-auteurs, etc., les intouchables, soi-disant, je pense qu'il y a une structure spéciale pour quand même aller à terme, parce que le procès n'est pas fini, tant que ceux-là seront entrés, parce qu'ils ont été les instigateurs, j'allais dire, sinon ils ont été mais de grands complices. Je veux parler même du gouvernement d'alors, ayant à sa tête le président Yahi Boni. Donc ils devraient être poursuivis, parce qu'ils ont, endeuillé beaucoup de familles par rapport à cette situation. Selon moi, la déclaration a été bien faite. Seulement que ceux qui ont déposé, je veux qu'ils rentrent en possession de leur somme qu'ils ont déposée. Et moi, je trouve que c'est bon, parce que c'est l'un de nos rêves que nous pensons depuis, et le rêve a été réalisé, si ce n'est pas de la folklore. Je remercie beaucoup de ce qu'ils disent maintenant. Je suis d'accord avec lui. Si on peut nous donner un peu notre argent là, je serai d'accord avec lui. Ce que les ICC ont fait, c'est tellement grave que même beaucoup de gens ont perdu leurs trucs. Bon, les gens ont fait des pensées, ils sont en train de codiser, de ramasser l'argent par là. Maintenant, ils ont tout ramassé. Et on ne sait pas comment faire. Autre élément dans cette édition, après la clôture du dépôt des dossiers du baccalauréat, le 31 janvier dernier, les chefs d'établissement affirment être à jour vis-à-vis de la direction de l'office. Les regards sont donc désormais tournés vers les candidats Myriam Rouanou et Justin Sologandi pour Awisi Web TV. Clôturé depuis le 31 janvier 2019 par l'office du bac, le dépôt des dossiers du baccalauréat session 2019 a été effectif. Un tour dans les collèges de la commune d'Abomey-Calavi, la quasi-totalité des établissements nous confirme avoir accompli leur devoir. Tous les enfants ont déposé leur dossier. Il n'est resté aucun élève qui n'ait pas déposé son dossier, parce que nous on s'y est pris très tôt. Et déjà courant septembre, nous leur avons demandé d'apprêter les pièces fondamentales que sont l'acte de naissance, la carte d'identité et le certificat de nationalité pour ceux qui sont nés à l'étranger. Et donc, cela étant fait, on a pu regrouper les pièces lorsque l'office du bac a ouvert les registres et rapidement, on a bouclé tout et on a déposé. Nous prions le ciel pour qu'il n'y ait pas de défection ou d'abandon. Nous espérons que eux tous, par la grâce de Dieu, ils vont composer dans les conditions idoines et réussir massivement à l'examen. Tous les élèves de notre complexe ont rempli les formalités. Les dossiers ont été déposés de bonnes dates. Nous allons rester dans le temps. Le grand travail revient aux apprenants eux-mêmes.
s'il nous aide dans ce sens, il n'y a pas de raison qu'en fin d'année, on n'ait pas un bon résultat. Tout le monde a les yeux braqués sur eux et qu'ils n'ont pas intérêt à nous décevoir. Après avoir déposé leur dossier de baccalauréat dans leurs établissements respectifs, les candidats affirment jouer leur partition afin de réussir leurs examens. J'ai pu déposer mon dossier, tout s'est bien passé. Les dossiers sont passés, ça ne veut pas dire qu'on est déjà admis. Donc on doit redoubler d'efforts, apprendre au jour le jour les cours, faire beaucoup d'exercices et puis ça va aller. Il faudrait maintenant que je me donne à fond, que je sache que j'ai un objectif à atteindre. Et cela passe d'abord par une bonne organisation. Le bac, ce n'est pas quelque chose de difficile. Donc, il suffit de se donner du courage, d'être déterminé, de savoir qu'il y a un objectif à atteindre, de travailler pour atteindre cet objectif-là. Après cette étape de dépôt des dossiers, la nouvelle étape sera l'examen proprement dit. Et pour finir, faisons un tour à l'école primaire publique de Zunga, un des quartiers de l'arrondissement de Godomé. Là, nous sommes dans la commune d'Aboumekalavi où les conditions de travail sont des plus insupportables pour enseignants et apprenants. Au nombre des difficultés, la quasi-inexistence d'infrastructures adéquates, insuffisance d'enseignants, une situation qui, au dit des parents d'élèves, perdure malgré leurs multiples doléances adressées aux autorités locales, municipales et gouvernementales, qui y sont d'ailleurs restés insensibles. William Blaou, Enoch Vianou. Nous cherchons beaucoup d'aide dans notre classe et nous voulons que les maîtres viennent ici pour nous apprendre. Voici le cri du cœur de la petite Gandonou Priscilla, une écolière en classe de CM1 à l'école publique primaire de Zunga dans l'arrondissement de Godomé. Cette volonté contraste avec la réalité qu'elle vit actuellement dans son lieu de savoir, un bâtiment de 3 salles pour 320 élèves dans un état délabré érigé dans un bas-fond, de l'absence d'enseignants, d'espace récréatif, presque tout manque à cette école. L'école n'a pas de clôture et elle est exposée aux péripéties. Les élèves vont à la maison, parfois ils demandent la permission pour aller aux toilettes, mais c'est la maison. Nous sommes aussi à côté d'un grand tas d'ordures. Nous sommes exposés aux reptiles. L'école est à côté, sinon dans un bas-fond. Et puis, en période de pluie, elle est inondée. Nous n'avons pas de classe, nous n'avons pas de magasin ni de bureau. Voilà à peu près les conditions de travail de notre école. Je suis venu, il n'y a pas de classe, et il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de table, les enfants sont assis parfois 7 à 8 sur une table de 2 personnes. Et regardez, vous voyez notre bureau, nous n'avons pas de caisse. Et c'est un parent qui a même voulu nous offrir sa chambre à coucher, même pour garder le matériel de l'école. Même son de cloche du côté des parents d'élèves qui, malgré l'échec des multiples doléances à l'endroit des autorités. Nous avons un secrétaire général qui écrit. On lui demande de faire toujours des doléances. On le fait, mais aucune suite ne nous parvient. Les enfants étudient dans le bas-fond. Les varans et les serpents entrent dans les classes pendant leur cours. Avec les élus locaux, nous nous sommes concertés et nous avons collecté des fonds avec lesquels nous avons construit un bâtiment de 3 classes. Les salles ne sont pas cimentées. L'infrastructure n'est pas adéquate. Nous n'avons pas une école digne à Zunga, alors que les écoliers sont nombreux. À l'examen, nous avons eu 100% de réussite au CEP. Nous n'avons pas assez d'enseignants ni de bancs. Les écoliers s'asseyent à 6 par banc. Nous lançons un appel vibrant envers les autorités concernées de nous venir en secours. En attendant une providence pour que ces appels tombent dans de bonnes oreilles, ces écoliers sont visiblement motivés à étudier malgré l'état chaotique des PP Zunga. Tel ne doit pas être l'état d'une école béninoise à l'ère de Bénin révélée. Voilà, c'est à Zunga, dans l'arrondissement donc de Godomé, que nous allons mettre un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de nous renouveler votre fidélité sans cesse manifeste sur l'ensemble de notre plateforme, à savoir YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Merci et à très bientôt.